Il peut aussi contrôler nos émotions. Si vous n'avez pas de force au cerveau, vous n'avez pas de force physique. La méditation m'aide beaucoup. Tout le monde peut développer ses talents et aptitudes. Le cerveau grossit, passant de 400 grammes à la naissance à 1 kilo à un an. Si la cognition implique le corps et qu'impliquer le corps rend l'apprentissage plus facile et plus effectif, souvent, les adultes sont effrayés quand leurs enfants ou leurs élèves peinent à faire quelque chose. Mais quand elle est productive, la difficulté est la clé de l'apprentissage. Le cortex et le cortex préfrontal sont les régions les plus hautes du cerveau. Et comme les étages supérieurs d'un bâtiment, ils mettent plus de temps à se construire. C'est une zone dont dépendent ma prise de décision et ma capacité à raisonner. Pour comprendre les autres, avoir de l'empathie. 95% des enfants volent à la rescousse de quelqu'un qui a fait tomber quelque chose. Ils arrêtent même de jouer pour le faire. Vous pouvez entraîner l'amour altruiste, la résilience. Je ne crois pas que nous devons préparer nos enfants au monde de demain. Car le monde de demain, c'est eux.